Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Le Savais-tu, la chaîne où on apprend sur tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, tu vas en apprendre plus sur les ouragans. Pour commencer, l'important de savoir qu'un ouragan, un cyclone et un typhon sont exactement le même phénomène. Seul l'endroit les caractérise. Par exemple, lorsque cela se produit dans l'océan Atlantique Nord et le Pacifique Nord-Est, on parle plutôt d'un ouragan. Le typhon, lui, se produit dans la région de l'Asie de l'Est, et le cyclone dans tous les autres bassins océaniques. Pour le bien de la cause, nous utiliserons aujourd'hui le terme ouragan et nous parlerons principalement de celui-ci. Ils sont très redoutés pour leur caractère destructeur, leur pluie torrentielle et leur vent violent. Ils sont classés parmi les risques naturels les plus courants et font chaque année des centaines, voire quelques milliers de victimes. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi un ouragan? Eh bien, un ouragan est en fait le stade final d'une tempête tropicale. En gros, un orage additionné à un énorme tornade d'eau. Plusieurs critères sont obligatoires pour donner naissance à ce genre de phénomène, semblable à une recette. En gros, 5 critères doivent être présents. Premièrement, la température de l'eau doit être d'au moins 26,5 degrés sur une profondeur de 50 mètres en étant en surface aux alentours de 28-29 degrés Celsius. C'est pourquoi les cyclones naissent en eau tropicale et perdent de la force avec le temps. Le deuxième critère est que les conditions doivent être favorables à la formation d'orages. En gros, que l'air soit humide. Ensuite, il faut avoir une perturbation atmosphérique préexistante. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais en gros, une baisse de pression atmosphérique qui, elle aussi, favorise l'apparition de nuages. Aussi, un tsunami se forme obligatoirement à un minimum de 10 degrés de l'équateur. Simplement car la force du tsunami vient aussi de la rotation de la Terre, la force colibri. Je ne vous l'expliquerai pas en détail dans cette vidéo, mais en gros, c'est la force d'inertie qui, en quelque sorte, tire l'ouragan vers le haut. Dernièrement, les vents présents dans ce secteur doivent obligatoirement s'en aller dans la même direction. Sinon, cela endommage la structure de l'ouragan et tout s'arrête. Si, et si seulement tous ces aspects sont réunis, un ouragan aura probablement lieu. Le tout s'arrêtera lorsque l'eau ne sera pas assez chaude et donc ne pourra plus alimenter la tempête. Aussi, il est important de noter qu'elle se produit généralement vers la fin de l'été, quand les océans sont les plus chauds. Maintenant, voyons un peu comment les scientifiques mesurent le degré d'intensité de ces événements. Eh bien, pour cela, ils utilisent l'échelle de Beaufort, qui les classe de dépression tropicale à ouragan destructeur. Cette année 2017 a été, comme vous le savez très probablement, une grosse année pour les ouragans, avec plus d'une quinzaine. Un s'en démarque. C'est bien sûr Irma, dont les vents dépassent 300 km/h, des dommages évalués à 63 milliards de dollars, et aussi son titre de la plus meurtrière de l'année avec 124 morts. Mais comment on fait pour nommer les ouragans? Eh bien, cela est assez simple. On avance dans les lettres de l'alphabet en alternant entre un nom masculin et un nom féminin. Selon les scientifiques, le plus gros tsunami répertorié serait celui nommé Type en octobre 1979 avec un diamètre de plus de 2170 km. Pour finir, voyons quelques informations surprenantes sur les ouragans. Eh bien, ils ont une espérance de vie de 1 semaine à 9 jours. Aussi, ils ont causé plus de 188 milliards de dollars de dommages en 2007. Savais-tu que les ouragans avaient ce qu'on appelle communément un œil? Se trouvant au centre de l'ouragan, cette zone est complètement calme. Ce qui fait qu'après quelques temps, les vents destructeurs s'arrêtent d'un coup pour laisser place au ciel bleu. Et quelques minutes voire heures plus tard, ils reprennent, mais cette fois-ci avec des vents en sens inverse. Bon, on touche déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour ne pas manquer la capsule de la semaine prochaine. Tu peux aussi aller voir mon Facebook et mon Twitter. Sur ce, à plus et à lundi prochain!